Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Minute Berrichon. Cette semaine, je souhaite vous parler d'un sujet important, l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Je sors d'une réunion au ministère de la Culture avec Irène Félix, présidente de Bourges Plus, Yann Gallu, maire de Bourges et la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot. Nous avons parlé des Beaux-Arts à Bourges parce qu'il y a un enjeu qui est important. Un premier enjeu, c'est le maintien de l'école à Bourges. Il est acquis, Roselyne Bachelot nous l'a dit il y a quelques semaines, en venant à Bourges pour les états généraux des festivals. Mais il y a un deuxième enjeu. Cet enjeu, c'est la réhabilitation du bâtiment Place Cujas, parce que ce bâtiment a 400 ans, il a vieilli et il doit être aujourd'hui réhabilité. Alors, avec Yann Gallu, avec Irène Félix, nous sommes venus dire à l'État que nous souhaitions entamer une réflexion avec lui pour dire que nous souhaitons maintenir l'École nationale supérieure d'art à Bourges sur ce site de la place Cujas et que pour cela, nous devons entamer des travaux de réflexion pour savoir dans quel calendrier et avec quel cofinancement nous allons maintenir cette ambition d'avoir une culture de qualité et une culture pour tous au centre de Bourges. Bonne journée à vous.